Yo la team, c'est ça, bonjour, on se retrouve pour un nouveau micro-trottoir. On est à Avignon et ce qu'on va faire c'est très simple. On lance une sorte de série, c'est les clichés. Là aujourd'hui on va aller vers les gens, on va leur demander pourquoi ils disent que les Arabes c'est tous des voleurs, frère. Parce qu'il y en a marre de dire ouais lui c'est un voleur, lui c'est un voleur. Moi je comprends pas, les gens qui disent ça je comprends pas. Parce que dans ma vie, c'est pas que eux qui taxent, t'as vu. À chaque fois il y en a d'autres, etc. Moi j'ai pas compris pourquoi ils me disent c'est tout le temps eux. Donc du coup c'est pour ça, je me disais, fallait qu'on aille demander aux gens pourquoi ils disent que tous les Arabes c'est des voleurs. Moi je comprends pas le délire. C'est pour ça qu'à chaque fois, voilà, je rentre des trucs et tout, et c'est bon, voilà. Moi je te l'ai dit gros, on n'est pas tous des. On n'est pas tous comme ça mec. On n'est pas tous comme ça. Bref, un maximum de likes pour cette vidéo. Je vous laisse voir la suite. De toute façon, abonne-toi si c'est pas fait. Et je vais quand même aller lui rendre son truc, ce qui va serrer sinon. À ton avis, pourquoi on dit que les Arabes sont tous des voleurs? Je sais pas, c'est sûrement un truc sur l'historique, j'en sais rien. C'est des clichés, la peur des gens, c'est. Je sais pas trop. C'est Aladdin. Peut-être. À votre avis, pourquoi les Arabes sont-ils des voleurs? Sur ça, c'est ça le cliché. C'est inné, c'est dans leur gène. Je dis ça, mais j'ai plein de potes arabes, mais après, c'est pas tous les mêmes. C'est des préjugés, c'est tout. Mais toi, t'as déjà volé en tant qu'arabe, du coup? Non, mais je suis pas arabe, moi. Si? Non. Si, gros. Mais... Du coup, tu m'as dit que tu t'es jamais fait voler d'affaires et tout. Non, vraiment, t'as dit. Ok, ça va. Et t'es dans cette fac là de... Ouais, je suis en fac d'histoire. T'es déjà allé par là-bas et tout? Par là-bas, ouais. Pourquoi? Ok. Non, t'es pas arabe? Non, voilà, je suis pas arabe. Mais pourquoi tu viens là? C'est une question pour YouTube, c'est bon? Oui. À votre avis, pourquoi on dit que les Arabes c'est des voleurs selon vous? C'est hyper dur comme question! Quoi? Mais c'est un cliché! Ouais, mais si c'est un cliché, c'est que ça a existé, non? Sinon, Mais après, peut-être dans le temps, ça a existé, les Arabes. Peut-être parce qu'ils ont un regard vicieux. Ah ouais, un regard vicieux? Ouais. J'ai un regard vicieux? Non, mais toi, non. Ouais, à votre avis, pourquoi on dit que les Arabes, c'est des voleurs? Un iPhone 6, il est volé. Voilà. Frère, il est volé. Je t'ai vu à la Fnac, tu l'as pris. Frère, c'est bon, c'est celui qui manquait là, sur l'étagère. Parce que les gens, ils les voient mal, c'est tout. Ah ouais, ils les voient mal sur ça. Mauvaise réputation dans les quartiers et tout, ils se disent. Mauvaise réputation dans les quartiers. Non, mais imagine, c'est un cliché là. Tout le temps, tu regardes BFM, Ahmed, un truc, du voleur du 9-4 a volé une motocross. Non, mais... C'est des jaloux, ouais, c'est tout. C'est jaloux. Parce que moi, je me suis déjà fait voler par un arabe. Moi aussi, mais c'est. T'as volé quoi? Ben, quand j'étais en primaire, mon goûter Ricky Rock et tout. C'est vrai ou pas, quand même? Oui, à la télé, ouais, tout le temps, ça. Non, mais moi, je suis pas dans ce cliché, je m'en fous. Ah ouais, tu t'en fous? Ouais. Je t'ai jamais fait voler. Je t'ai déjà fait voler ou pas? Non. Si, ouais. Si, si. Est-ce que le voleur, c'était un arabe? Ouais, ouais. Ah, même en course, c'est eux qui prennent le blanco et tout, là, que tu cherches pendant 1000 ans. Pour YouTube, du coup. Ouais, ça. La question, c'est la suivante. En tant qu'étranger, est-ce que vous avez déjà volé quelqu'un? Parce qu'on dit que les Arabes sont des voleurs et tout. Voler quelqu'un? Ouais. Moi, quand j'étais jeune, mais c'est tout. C'était pas grand chose. T'as volé quoi? C'était un jeu de DS. Et toi, t'as déjà volé ou tu... J'ai jamais rien volé. Pour YouTube, la question suivante, c'est ça. Ouais. Pourquoi on dit que les Arabes, c'est tous des voleurs? Pourquoi on dit que les Arabes sont tous des voleurs? Ouais. Alors, je sais pas, moi... Parce que vous, vu que vous êtes étranger, vous êtes sûrement des Arabes. Pourquoi on dit que les Arabes sont des voleurs, genre? Honnêtement, je sais pas, c'est un cliché, donc... T'es quoi, toi, t'es tunisien? Non, mais moi, je suis français. J'avais cru. Je n'ai jamais eu un arabe qui m'a volé, mais quand même, j'ai eu un arabe qui a essayé de me détourner. Ah donc, ouais? Je peux dire, c'est vrai. À chaque fois, c'est voilà. Des brigands. Ouais, c'est des brigands, hein? Ouais, il m'avait détourné, après, je l'avais dit que j'avais appelé la police, et finalement, Il est parti en courant, il est revenu. Bon, peut-être des affaires scolaires, mais c'était pas forcément des arabes, ça pouvait être n'importe qui. Dis-le que c'était des arabes, t'inquiète, on va. T'inquiète, on coupera pas si tu dis ça. Non, par exemple, l'année dernière, je me suis fait voler, mais par un français. C'était quoi son prénom? Gaëtan. Gaëtan, tout à fait français. Bah, ça va, au moins, ça casse le cliché là. Ouais. Et ouais, vous avez le train là pour partir où? Tu retournes au Maroc? Non, je crois pas, non. Allez, bonne arène. Moi, en tant que français pure souche, en fait, parce que je suis né ici, je mange du jambon tous les jours et tout, tu vois. Ouais. Je me suis fait voler par un arabe, il m'a pris ma voiture dans un quartier. Il est parti, je lui disais, oh! Il s'appelait Bruno, hein, je voulais l'éclater. Et la question pour YouTube, c'est la suivante. Ouais. C'est pourquoi on dit que les Arabes, c'est tous des voleurs? C'est la vérité un peu. Pourquoi c'est la vérité? Oh, il me l'a sorti au calme. Ouais. C'est la vérité un peu. T'as déjà taxé, gros? Ouais. Et voilà, il certifie le truc. Tout ce que je sais sur les Arabes, ils ont un sang chaud, tu vois. Ils ont quoi? Un sang, leur sang. Leur sang, il est chaud. Voilà, il est chaud. Ouais. Toi, ton arabe, il s'appelait comment? Edouard? Non, il s'appelait Imad. Iman? Imad. Ibrahim?
Non. Certifié, gros, certifié. Il y en a un, frérot, en même temps. C'est quoi ton taxé? Je sais pas, beaucoup de choses. Un truc qui fait délire. Ouais, ouais, mais c'est quoi quand il fait délire? Je sais plus, moi. Ça date, hein. Ça remonte quand même. Ouais. De tout, je voulais des billes, je voulais des cartes, je voulais tout. Oh, il est allé au supermarché, il a racketté, frère. Et ouais. C'est toi-même mon arabe là, toi. Moi, je suis un arabe, bah, ouais. Pourquoi? T'as la tête d'un arabe, toi. Non, je m'appelle vraiment Eric. Eric Zemmour, si tu veux. Bon, la question c'est pour YouTube. Qui veut répondre? Les trois? Ouais, ouais, les trois, vous répondez. Pourquoi on dit que les arabes c'est des voleurs? Demandez aux arabes, hein. Demandez aux arabes. À cause d'Aladin, je pense. À cause d'Aladin, toi, ouais, tu dis? Ouais. T'as pas capté dans les films et toi, à chaque fois, celui qui vole, c'est un arabe. Celui qui fait un truc, il a le flingue, c'est un arabe. T'as capté ou pas ça? Ouais, mais après. Ça dépend des arabes. Il y a des arabes bons, il y a des arabes. En fait, moi, je sais que je sais. Ouais. À cause d'une seule personne, on ne doit pas généraliser toute une communauté, tu vois. Yes, excellent. Quand toi, t'as déjà vu que des arabes voler ou pas? Non, la jamais. Vérité, la vraiment vérité. Jamais. Jamais. Et toi? Non, non plus. Vous avez jamais fait voler? Rien? Non. Rien depuis que vous êtes né? Non. Stylo 4 couleurs. Stylo 4 couleurs. Mais c'était pas un rebeu. Si, c'est voilà, tu vois, maintenant en cours, ils sont partout, frère. Ils sont partout. Ouais, c'est pour YouTube, gros. T'es chaud. La question, c'est la suivante. Pourquoi on dit que les Arabes, c'est tous des voleurs? Parce que c'est la majorité des gens qui. Je sais pas. Qui quoi? Parce que tu viens de mettre la main dans mon dos. On t'a déjà vu. Ah, je l'ai rendu ouais, fou pour cette scène. Je rigole, t'inquiète, je rigole. Y'a pas un gars qui va arriver par derrière. Hein? Y'a pas quelqu'un qui va arriver par derrière. Ça y est, là, il croit qu'on va l'embusquer à chaque fois dans sa poche et tout. Toi, t'as déjà volé? Moi, j'ai déjà volé? Ouais. Ouais, j'ai déjà volé. J'ai des cartes Yu-Gi-Oh! À la Fnac. Y'a jamais un petit arabe vite fait? Non. Entre nous. À part toi. On coupera, on coupera. Non, franchement, non. Je dis qu'il y en a un juste comme ça. Ah, ok. Je dis qu'il y en a? Ouais, je dis qu'il y en a un. Bah, ouais, une fois, je me suis fait voler un vélo. Ouais, il s'appelait comment le mec? Je sais pas, mais après, j'ai vu qu'il avait vendu sur le bon coin. Ouais, et t'inquiète, son prénom, il se. Enfin, son prénom? Ouais, c'était quoi son prénom? Mais il y avait. Abdel. Jibilen. Jibilen. C'était Bilen? À votre avis, je suis quoi? Tunisien. Ah, donc je suis arabe? Ouais. Non, j'aime pas les arabes, gros. Ouais. Je suis français, moi. Moitié français, moitié serbe. C'est bien, c'est un mélange. Oh, ils lâchent pas l'affaire, ils ont faim. Non, ouais, moi aussi, je pense que c'est un cliché, c'est faux et tout. Mais la plupart du temps, c'est vrai, t'as vu ou pas? T'avais capté? Non, même moi. Non, la plupart du temps, mais en fait, c'est pas à cause de nous. C'est à la télé et tout aussi, ils servent. Mais chaque oui. fois, ils disent, ouais. Quand, en fait, c'est ça le délire. C'est quand un mec, genre, c'est un français ou je sais pas quoi, il va taxer, ils vont pas le dire à la télé. Et quand c'est un arabe, ouais, il a volé un sandwich. Mais frère, on s'en fout de ça. On s'en fout. Qui c'est qui a sorti cette rumeur là comme ça? Mais c'est. Il est sorti d'où ce mec? Ouais, il s'est fait taxer quelque chose, lui aussi, peut-être. Ouais, c'est lui qui l'a sorti. Autant il s'est fait taxer par un rebeu. Les arabes, c'est tous des voleurs. Ouais, c'est lui, ouais, c'est ça. C'est un bon mélange. Ah non, je rigole, gros, je suis arabe, tranquille. Oh, vraiment, je vais vous poser cette question. Je suis. Non, non, ok. Donc, toi, pour toi, c'est une invention, tout ça. Ouais, voilà, c'est. Tout le monde vole, même mais pourquoi les Français. Il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ouais, mais ça qui m'énerve. Pourquoi il dit que les arabes, c'est des voleurs? C'est pour le seum, non, quand même? Ouais, voilà. Après, il voit un arabe quand tu rentres au magasin, il te pisse le, sur le. Ouais, t'as pas envie de le tarter quand il te suit, là? Il est là, il te suit. Tu rentres, t'es même t'es habillé bien, il te suit. Non, mais je te promets que je suis pas arabe. Bah, ça va, du coup, pour toi, c'est juste un. Ouais, c'est quoi? C'est un préjugé, faut pas avoir le premier arabe qui passe, faut pas dire que c'est un, arabe, c'est un voleur. T'as déjà été volé par un arabe? Non, moi non. Ouais, il a déjà pris un blanco à toi et tout, entre nous, entre. Non, la vérité, non, moi non. Non, je sais que tu vas TFN, tu peux le dire. Hein? Tu vas TFN? Non, même pas. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé l'équipe. Si vous êtes jusqu'ici, vous likez. Faites pas les voleurs, vous aussi, je vous le dis. Le like, je l'attrape cash. Like. Si tu veux pas liker, de toute façon, je m'en fous. On a pu capter que plein de gens, ils disaient quoi? Ils disaient, ouais, ce cliché, il est plus ou moins vrai, mais c'était drôle. En vrai, on rigolait tous. On sait tous que c'est pas que les rebeux, les taxeurs. Il y en a plein qui taxent. Mais bon, c'est drôle d'avoir leur avis comme ça. On a pu se faire une idée du truc. Ah ouais, dis-moi aussi en commentaire si toi, tu t'es déjà fait taxer un truc. Vous me connaissez, j'ai envie de savoir votre avis si tu t'es fait taxer un truc en cours ou dehors quand tu marchais et tout. Bref, c'était ça, mais je vous dis à la prochaine. Tant, bye bye.